Le principe de moindre action, un guide pour comprendre et agir efficacement. Dans le domaine de la physique, le principe de moindre action est un concept fondamental qui joue un rôle crucial pour comprendre le comportement de divers systèmes physiques. Formulé pour la première fois par le mathématicien et physicien Pierre-Louis Maupertuis au XVIIIe siècle, ce principe est souvent considéré comme l'un des piliers de la mécanique classique et de la physique moderne. Dans cet article, nous allons explorer le principe de moindre action, son importance dans la compréhension de la nature et comment il peut être appliqué dans nos vies quotidiennes. Enfin, nous conclurons par un conseil pratique pour tirer parti de ce principe dans notre propre existence. Comprendre le principe de moindre action, le principe de moindre action stipule que la trajectoire réelle d'un système physique entre deux points donnés est celle pour laquelle l'action est minimale. L'action est définie comme l'intégrale de l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle d'un système sur une période donnée. En d'autres termes, le principe de moindre action nous dit que les systèmes physiques choisissent la trajectoire qui nécessite le moins d'énergie pour passer d'un état à un autre. Importance dans la nature Ce principe est omniprésent dans la nature. Par exemple, la lumière suit toujours le chemin qui prend le moins de temps pour se déplacer entre deux points, ce qui correspond au chemin le plus court. Les lois de la gravité qui régissent les mouvements des planètes et des astres sont également basées sur le principe de moindre action. En comprenant ce principe, les scientifiques ont pu formuler des lois précises pour décrire les mouvements des objets célestes. Application dans notre vie quotidienne. Bien que le principe de moindre action soit souvent associé à la physique, il peut également être appliqué dans de nombreux aspects de notre vie quotidienne. Par exemple, lorsque nous prenons des décisions, nous pouvons utiliser ce principe pour évaluer les différentes options qui se présentent à nous. En choisissant la voie qui nécessite le moins d'énergie ou de ressources, nous pouvons atteindre nos objectifs de manière plus efficace. Conseil pratique ⁇ Agir avec efficacité sur la base du principe de moindre action ⁇ Le conseil pratique que nous pouvons tirer est d'agir avec efficacité. Cela signifie évaluer les différentes options disponibles, Analyser les conséquences potentielles et choisir la voie qui demande le moins d'efforts et de ressources tout en nous rapprochant de nos objectifs. Il est important de garder à l'esprit que le moindre effort ne signifie pas nécessairement être paresseux ou éviter les défis. Cela signifie plutôt trouver le chemin le plus efficace pour atteindre nos aspirations. En conclusion, le principe de moindre action est un concept puissant qui trouve son application tant dans la physique que dans notre vie quotidienne. Comprendre ce principe nous permet de mieux appréhender le monde qui nous entoure et de prendre des décisions plus éclairées. En utilisant ce principe comme guide, nous pouvons agir avec efficacité, en minimisant nos efforts tout en maximisant nos résultats. Alors, n'hésitons pas à intégrer ce principe dans notre réflexion et nos actions pour atteindre nos objectifs de manière optimale.